Ah, cool. Ok. Oh putain. Non, c'est pas ça que je veux. Journal. Note et message. Fin de message. Ok, Richard, look for the greenish. Ok, donc les points d'exclamation sont des pièges. Et les trucs verts sont des indications pour les cochons. Ok. Là-bas, il y a les cochons, ok. Putain, pas maintenant. Ok. Est-ce que je vais là où sont les cochons là? Je crois que oui. Oh, not this way. Oh oh. Oh oh. Oh, not this way. Ah non 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 non. Ah non 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 non. Ah! Oh! Oh! Merde. Ok. Peuvent pas me suivre. Tu peux te calmer la musique s'il te plaît? En fait avec la musique j'entends pas les cochons s'ils sont prêts ou pas. Ouais je les entends pas. Ils sont là. Je crois. Arrêtez! Attendez, je vais baisser un petit peu le son de la musique. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas. Oh fuck. Je peux pas. Ok, ils sont là. Oh putain. Ils sont là. Ah, ils sont là. Ah non. Me laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Régénère-toi, régénère-toi, régénère-toi. Dépêche-toi. Wouhouhou. Qu'est-ce que c'est? Je tape des choses mais je sais pas quoi. Ouais, ils sont derrière moi. Ça pue, ça pue, c'est impressionnant. Ça pue, ça pue, oh mon dieu, ça pue. Je suis foutu maintenant. Allez, troll face, troll face. Oh, not this way. Quoi? Oh, not this way. Quoi? Quoi ou not this way?
Je comprends pas. Je ne dois pas suivre les trucs. C'est ça? Oui, il est bugué le truc. Ok. Donc là-bas. C'est cool. Là, je dois aller par où? Oh, not this way. Oh putain! Quoi? Pas maintenant. Oh, pas maintenant. Oulala. Oh. C'est-à-dire. Ah. Rête. Oh. Salut, ça va? Oh. Attends, reviens ici. Petite fille, reviens. S'il te plaît. Tu peux revenir? Oh. Salut, ça va? Is all this? The girl, was she the one held here? Captor here must have been brutal, completely evil. She's scary, I know, but she's just a girl. She hasn't hurt me. She was trying to tell me this. Quoi? Ils lui ont fait quoi? Oh mon dieu! Ils l'ont tiré pendant qu'elle dormait? C'est horrible! C'est dégueulasse! Pourquoi tu les petites fions? Papa has been scaring me lately. I remember when we used to play together, but now he only gives me medicine. He's so stressed and he says the medicine helps. But I hate the needles. I hate them. I hate this cage. I hate these guns. I want out. I miss the outside. I miss my brother. Where's Eddie? I just want to be free. Ça c'est la sœur de Eddie, donc la fille du père qui a créé les monstres. Oh. Ah, le père voulait essayer de trouver les deux fleurs là. Il créait les monstres pour tout simplement sauver sa fille. C'est ça? Je crois. Bon, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais c'est pas grave. Oh, t'es sérieux? Super, maintenant je joue la gamine. Attends, papa, c'est moi. Bon, on va pas arrêter l'épisode là, finalement. Papa, c'est moi! Ta fille! Non, parce que là, en fait, j'ai déjà commencé l'épisode. Donc, en fait, je voudrais faire la fin en une partie. Donc, autant qu'elle dure 40 minutes, c'est pas grave. Au moins, ce sera la fin. En entière. Ok, papa, j'ai mal aux yeux, tu peux arrêter? We are waiting for you. Tu arraches. Ok. Mais encore. Il y a une chance qu'il y a quelque chose de bizarre et de chelou qui va se passer là-bas. Oh, not this... Ah, ah. Ah non. Un coup. Ferme la porte. Oh. Oh. Richard. Richard. Eddie. I got in. Are you stuck in there? No. Listen. I managed to sneak in. Seeing what I could find to destroy the factory. Be careful.
Martin has just released some pigs after me. Why is he creating them? Don't know. My father created them by accident. It's Martin. How did he know? Martin knows what? How to create the monsters? I don't know. Betty, what's wrong? I recognize some of them. Look, over there. You know who that is? That was my sister. Oh. She was sick. My father was so sure. Ah, j'avais raison! Oh, je suis trop fort! Look what it did to her. I'm sure he was... No, I know his intentions were good, but... Listen, I found the key to the control core. That door over there. Also, here's the med kit and the doctor's riddle and I took from your desk. See if you can find Martin. I'm going to see if I can get to Martin's control room. Okay. He has a control room? Or wherever he's releasing the pigs. Okay, be careful. And stay low. Oh. À moi, à moi, à moi. Bon. Oh. Oh, quelle horrible chose. Attends une minute. Une minute. Est-ce que c'est ce que je pense que c'est? Oh, est-ce que c'est le... le mec avec l'assidu amnésia premier du nom? Oh! Elle a explosé? Non, petite fille, tu as explosé! Oh, fuse is busted. I need to replace it to get the door open. Voilà. Allez, ça va? Je fais quoi là? Ok. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Voilà, j'ai eu peur. Mais si, merde, qu'est-ce que je dois faire? Et j'avais oublié que j'avais une clé. Oups, excusez-moi. Bon, je sais pas du tout comment je vais me démerder au montage, parce que je vais écourter la séance des poursuites avec les pigs. Enfin, avec les cochons plutôt. Et aussi la séance où je cherche comment... réussir à passer le truc avec la fille qui pleure là. Toujours pleurer, hein. Toujours. Elles font que ça, les petites filles dans les jeux d'horreur, elles pleurent. Se lamenter, c'est tout ce qu'elles savent faire. Le reste, je les ai pas, n'importe peu en même temps. Tout ce qu'elle veut, c'est jouer avec ses jouets. Quoi? Welcome to the control core. Merci. What is all this for, Martin? A good question. No doubt Eddie has told you about his father. Oh. Well, I was his protégé. Oh. I was there when he suffered to make the elixir. He did it for his daughter. I did it for profit. Ah. He had no idea what kind of money something like this could Connard. Make. He was too blinded by love, just like you. He also didn't know what kind of potential the beasts he created had. They make good protectors. Sure, they can be hard to control. They've even gone after me a couple of times. But they're my creation. I'm in control. This form of power is also my innovation. Who knew crystal and light could go such a long way? But I have something new to show you. May I introduce the Tesla pig? He's lived in isolation since his creation, and we need to test his reaction to others. Tesla? You two have fun. And play nice. Ok, Tesla, c'est pas le truc qui se téléporte. Mais... Là-bas. Si, c'est ça. Ok, dissolve the machine. Cours, 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 cours. Oh putain. Ouh, c'est quoi ça? Je peux pas faire. Il est derrière moi. Me poursuit. 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 Allez, cours, putain.
Putain, mais quelle espèce de con! Dépêche-toi! Allez, putain! Allez, putain! Je suis sûr que c'est ça. Il était juste derrière moi! Oh! Putain, mais vas-y, vite! Putain, mais. Non, mais il y en a partout, vous faites chier, dégagez! Oui, c'est ça, mais. Vous voyez ça? Ça, c'est de la triche, par exemple. Putain, mais regardez-moi ça. Ouais, tu me tues? Voilà, voilà, voilà. Vas-y, 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 vas-y. Quelque camp. Overlord veut court. J'avais pas compris ça alors. C'est parce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure? Non. Moi, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure, hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ah, mais il est à l'intérieur. Il y en a partout ces conneries là. Et comment je fais pour overloader s'ils veulent même pas se lever ces connards? Qui a inventé ces trucs? Qui? Moi je voulais avec les manivelles hein. Est-ce qu'il y a que ça qui reste à faire? Hein? Parce que le reste c'est bugué. Ah! T'es où? Où que tu es? Ah mais bien sûr. Vous permettez 3 secondes? Merci. Ah ah ah. Non, non, non. Vous m'aurez pas, parce que vous pouvez pas me voir. Lol. Putain, j'entends des bruits, mais je sais pas. C'est pas lui, ça va. C'est pas lui, c'est pas lui. Yeah. Allez. Ok. Je sais pas qui savait de se dupliquer quand même. J'ai eu très peur. Est-ce qu'il sait se servir des escaliers? Putain mais oui, il y en a plusieurs. Ah les connards. Ils sont plusieurs. Ou alors non, c'est juste une illusion. Mais tu me vois pas, putain de con. Voilà, raté. C'est mon intéressant parce que je sais courir. Putain de con. Pareil, c'est bloqué parce que monsieur fait son intéressant. Tu sais quoi? Va te faire foutre, je vais mettre mon truc, bordel de chiottes. Voilà. Hein? Quoi, t'es où? T'es où? T'es là? T'es là? Vas-y, tue-moi. Ose me tuer. Voilà, je t'ai regardé, tu disparais. Non, toi t'es pas bon, toi t'es bon. Voilà. Exactement. Oh putain. Nom de Dieu, t'es chiant. Allez, laisse-moi passer. Bordel de chiottes. Allez, vas-y. Allez, cours. J'en ai rien à foutre, mais d'une manière totalement juste astronomique et astreuse. Mais voilà, bonk, overloader le corps. GLaDOS est dans mon pouvoir. Oh, et je vais tellement te troller. Quoi? Salut, toi, ça va? Oh, feinte. Bah, elle a pas marché la feinte. Mais comment ça, je m'en fous. Bonk, t'es où? Hein, t'es où? Hein? Quand papa fait n'importe quoi, où sont les enfants? Bonk, hein? Regardez, ça tourne, et bientôt, vos cerveaux tourneront. Salut Eddie, ça va? Eddie. Richard, I've opened the doors to the control booth. Get inside. There's enough light on the orb to over-exert the machine. Oh. Tellement. Ok. Je sens que tu vas devoir te sacrifier pour le bien de l'humanité. Mais c'est pas grave. Oh.
This man caused combustion. God damn it. Regardez maman, elle fait du wola 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 wou. Wola wola. Wola wola. Wola wola. Et je l'agis sans réfléchir. Question de principe. Oh! Ça fait un gros bonk. Il est mort, c'est ça? C'est ça. On est done. On a fait. Non, j'ai encore besoin de la fleur. Où l'a-t-il mis? The. Ok. Ok. Où l'a-t-il mise? Non. Ok. Ok, bon. Est-ce que j'ai fini? Oh, pitié. Moi que j'ai fini. La mort de vie. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je vais pas me percher à regarder ça. Oh merde. Vas-y. Aïe aïe aïe. Ça fait mal ça. Ah. Oh. Oh oh. Ça c'est pas des cochons ça? Est-ce que j'ai libéré tous les cochons? Oh non! Merde, j'ai fait la gaffe du siècle. Oups. Ouais, j'avais pas pensé sur le coup. Libérer tous les cochons. Oups. Si, oh, détruire le moteur, ça aurait été une bonne idée. Ouais, c'est super quand. À part si on libère tous les cochons. Ouais, on va vite courir, ok. Oh, je contrôle plus rien. Oh non, tue pas Eddie. Il va tuer Eddie. Adieu Eddie. Attends, c'est Eddie ou c'est moi ça? This isn't over. We are not done here. Did you see what just happened? This place is. Ah d'accord, c'est pas moi en fait, pas du tout. It's time that I and the rest of us take our leave. It was all good sport until you came around. You're not going anywhere. I'm in charge here. You don't do anything unless I say so. Is that clear? I'm sorry, do you know anything? Have you been outside your mortal realm? Your delusions of power are becoming quite annoying. You have no control and your meager human perceptions are very limited. Non, ça humain. Try to leave, you won't make it out alive. The pigs listen to me and I think they're getting hungry. First of all, we do not divide simply into your categories of living and dead. Second, the pigs only listen to you because they are incredibly gullible. No. If you'd have told them the truth, they'd rip you to shreds. I can't believe we were listening to some mortal man. It's quite embarrassing, really. You are lost without me. Human, you give yourself too much credit and leave yourself quite vulnerable. I think you're right, though. The pigs are quite hungry. For vengeance. Friends of mine, come and join and listen. What this oh. Man belongs, your freedom, your choice, your will to live. J'ai besoin de sa fleur, vous savez. Et c'est qui ce mec? Pourquoi il le traite d'humain? Ce n'est pas humain? Je pense que non. Uh oh. C'est bon, je peux y aller? T'es buggé toi, tu sais? Oh. Est-ce qu'il est en train de se faire déchiqueter violemment, coup de groin?
Oh non, n'imagine pas la scène dans ta tête. N'imagine pas. Oh non, non, trop tard. Oh, il déguste. Oh, pourquoi j'ai imaginé la scène dans ma tête? Salut les mecs. Qu'avez-vous fait de ma fleur? J'ai besoin de cette fleur, espèce d'enculé. Imbécile, j'ai besoin de cette fleur. Pour ma femme. Est-ce que je peux avoir deux fins? Genre une fin où ma femme elle meurt parce que j'ai pas eu la fleur, une deuxième où ma femme elle vit parce que j'ai eu la fleur. Ou une troisième où je meurs totalement. A friend I see at this game's end. Your disbelief I do suspend. But now is when I must speak plain, for there is much I must explain. Oh. Richard, you and I have a lot in common. I would tell you more, but it would be difficult for you to comprehend. Ah, tu fais des rimes, but know this. I see your struggle, and I empathize. You have a good heart. You came all this way just for Rose, and you deserve this. I present to you the last... Je t'aime! Now go and take care of your oh, wife. Je t'aime. I will open the elevator for you. Oh, je t'aime. As for us, don't worry. There will not be a single human soul that will enter the village of Grantham again. D'accord. Okay, I'm done being serious. I hate being serious. What's left of the day will eventually come down as rain. Si c'est la personne dont je pense que c'est, je vous jure, je pète un câble. C'est par où? Comment est-ce que je sors? Oh merde, c'est pas par là. Ah, c'est par là, voilà. Ok. Bon, je suis désolé petite fille, hein. Je t'avais insulté depuis le début. Et en fait, t'étais sympa. Désolé. C'est toujours comme ça, toutes les petites filles, là, les femmes. Les filles qu'on leur ragnagna et on met partout. Et à la fin, on apprend que c'est les gentils, en fait. C'est triste, hein. Bon, je ne veux pas démettre d'hypothèses trop hâtives basées sur un simple easter egg, une référence. Mais je pense savoir qui est le Hatman. Mais je vais attendre un petit peu avant de démettre quoi que ce soit. Oh que c'est moche. Oh que c'est moche, j'avais oublié comment c'était moche. Ouais, qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. Hey, Eddie. Hey, have you checked your email yet? I was just about to. We've got another case. It's at the Windvale prison. Is that where you are now? Yeah. I'll be over soon. But did you hear about Grantham? No. What? The place is quarantined. Nobody will be going in or out of there. Which is good. We don't bother them. They don't bother us. Mm-hmm. That reminds me. I got your wife's cookies. Did she bake them herself? Yeah. The girls helped too. We're all very grateful of you. My wife wouldn't be alive if it wasn't for your help. Ah, ça va. Well, tell her I said thanks. But right now, I need you at the prison. What's going on? An inmate, according to the coroner, drowned in his cell, even though there is no water in or around the cell. What have you found? Well, I'll just tell you this. It's gonna be quite an adventure. Yuppie. Oh, really? Et c'est fini, yeah. Ok. Bon. Bravo. 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 Bravo, 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 vraiment, bravo. C'était une des meilleures custom stories auxquelles j'ai joué depuis longtemps. Des magnifiques. Donc, à propos du Hatman, si on n'a pas plus d'informations de ça, je vais vous émettre mon hypothèse. Je sais peut-être qu'elle est vraiment nulle. Et, enfin, je sais pas parce que... Bon, vous moquez pas. Ok, donc... Vous vous rappelez qu'on a vu le TARDIS dans le village au bout d'un moment. Sauf que le mec qui était là m'a fait vraiment penser au docteur. Pour ceux qui connaissent pas Doctor Who, bon, vous pouvez pas savoir de quoi je parle. Mais c'est vraiment bizarre qu'il y ait deux références comme ça. Donc je sais pas si c'est vraiment lui,
Mais ça m'étonnerait parce que le docteur n'irait pas dans ce genre de truc. Donc je sais pas, c'est vraiment une hypothèse. Peut-être que le mec a mis le docteur là-dedans parce que c'était vraiment un grand fan et peut-être qu'il a fait référence à lui. Oh, surtout au moment où il a dit j'arrête d'être sérieux, j'en ai marre d'être sérieux. Là il me fait un petit peu penser au docteur, bref. C'est pas grave, c'est que mon hypothèse parce qu'on a aucune information sur la Hatman et puisqu'on a vu le TARDIS et ensuite il y a le mec qui est en haute forme alors que c'est pas trop l'habit pour être l'habit actuel quoi. On est au 20e siècle et lui en chapeau de forme, tenue complète là. Bref, c'est que mon hypothèse, j'imagine, c'est tout. Bref, cette custom story par contre était juste énorme, franchement, elle était juste énorme. Molto bene, donc ça fait juste une heure bientôt que je tourne, donc je sais pas comment je vais faire ça avec la fin. Donc je pense que je ferai le boss plus la fin en un épisode. Et la partie où je poursuis les cochons et où j'ai la petite fille en un autre épisode aussi. Bref. Ah putain, bon, vous, dites-moi un petit peu vos hypothèses à propos du mec au chapeau là. Parce que moi j'imagine juste que c'est le docteur simplement parce qu'on a vu le TARDIS au début. Voilà. C'est tout. Je me base juste sur ça et sur le fait qu'il porte un habit un petit peu trop, on va dire, victorien pour l'époque du 20e siècle. Et en plus, qu'il parle comme le docteur. Bref, c'est comme une hypothèse. En plus, dans les crédits, j'ai vu docteur blablabla. Donc, je sais pas. J'ai vu docteur, donc je sais pas. Peut-être que c'est un autre docteur, mais je me souviens pas avoir vu un autre docteur parler. Bref, on va arrêter les épisodes chelous et bizarres ici. J'espère que vous avez apprécié ce let's play. Moi, je me suis éclaté à le tourner. Prochain let's play, donc The Flower. Ensuite, il y aura les. Je vais faire un RPG horreur. Donc, peut-être Ib, soit un autre. Je sais pas. Bref, n'oubliez pas de liker le let's play entier. Voilà. À mettre des pouces bleus, violets, verts ou orange. Je ne sais plus. Ça change tous les jours. De lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. De partager sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Pour une fois encore, je dis nous alors que je suis tout seul. Oh putain, tellement d'adrénaline. Je suis trop content. Bref. Qu'est-ce que je vais dire? Ah oui. Moi je dis salut à tous. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.